le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais. En direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 2008 à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais. Nous allons parler handball avec le club de Villefranche Handball Beaujolais. Le président Hervé Carnaïs, bravo, félicitations. Très belle saison au niveau des garçons, très belle saison au niveau des jeunes également, Hervé. Très content, oui, de la saison. Une saison pleine, non pas de rebondissements, mais voilà, on s'est assuré le maintien assez rapidement dans la saison. Une poule très homogène, hein, on est à 3 points du podium et on était aussi à 3 points du premier légable, donc ce qui prouve cette homogénéité dans ce groupe. Voilà, maintenant on a su faire le travail et surtout Dragos, à la tête de l'ensemble de ces jeunes joueurs, a permis un maintien assuré assez rapidement. C'est vrai, quand on a pu voir le retour de Dragos Canu au sein de cette équipe première, intégrer des jeunes qui ont été formés notamment au club de Villefranche, voire au club des alentours, c'est important, il faut travailler avec ça aujourd'hui, et avec cela, ben, les résultats payent. Le Villefranche Handball Beaujolais est en National 1 pour cette nouvelle saison. Tout à fait. Bon, Dragos, ça fait la deuxième saison à l'issue, à la tête, pardon, de ce groupe. C'est vrai qu'on est allé chercher. Il est revenu en Calade. Voilà, c'est quelqu'un qui aime le travail rigoureux, qui ancien joueur caladois, capitaine du groupe de LNH à l'époque. Voilà, c'est quelqu'un qui est très exigeant, qui sait faire progresser, je dirais, les plus jeunes et les moins jeunes. Voilà, maintenant le but, il est présent et on arrive à avoir de bons résultats depuis deux saisons. On est dans une continuité. On est en train de préparer la saison prochaine pour aussi être performant et aussi performant que la saison précédente. Hervé, vous allez nous parler de cette section jeune, un pôle handball qui est en train de grandir du côté de Villefranche et de la région du Pays Beaujolais, parce que apparemment vous travaillez avec beaucoup de clubs voisins, notamment le club de Lima, le club de Belleville-sur-Saône. Tout à fait. Bon, dans le projet territorial qui a été lancé par la Fédé et surtout à l'initiative de la Ligue du Lyonnais, donc on est acteur avec le club de Belleville. Pourquoi ? Club structuré avec des cadres et surtout des employés. Donc on a souhaité déjà avec Belleville mettre en place différentes formations, de la formation d'arbitrage pour l'ensemble des clubs de secteur, donc qui est pilotée avec la personne de Laurent Pfeffer, donc président de la CRA aujourd'hui au niveau du Rhône, qui est à l'initiative un petit peu de cette formation, avec entre 30 et 50 jeunes toute l'année qui se forment à l'arbitrage, puisque l'arbitrage fait partie aujourd'hui de la formation du joueur, quel que soit le niveau. Donc ça, c'est quelque chose de mis en place. Une deuxième mutualisation sur l'encadrement avec des stages communs pendant les vacances scolaires, donc ouverts à l'ensemble des clubs du secteur, mais également aussi à des joueurs non licenciés dans le handball, voilà, pour promouvoir ce sport, ce beau sport, et d'amener de nouveaux licenciés dans les différentes structures. Voilà, donc ça, c'est le travail effectué avec Belleville. Un deuxième travail avec Lima, donc un club de l'agglomération de Villefranche, où on a mis en place une convention, donc on va reconduire cette convention pour la deuxième saison, avec des ententes sur tous les clubs jeunes, donc des mini-handes jusqu'au moins 18 championnats de France. Voilà, donc c'est quelque chose de mis en place pour la deuxième fois, avec des changements de catégorie, puisqu'on part sur des catégories impaires cette saison. Voilà, mais le travail reste le même, avec une mutualisation pour essayer d'avoir deux collectifs systématiquement dans tous les niveaux de jeu, voilà, avec des niveaux plus compétition et des niveaux un peu plus loisirs au niveau départementaux. Mais voilà, c'est le travail qu'on a mis en place et qui porte ses fruits pour le service du handball et d'essayer de former l'ensemble de ses joueurs. Quand vous dites le travail qui a été mis en place, c'est des éducateurs qui ont passé les diplômes, formés, c'est important pour former ces jeunes handballeurs qui risquent dans quelques années d'aller intégrer cette équipe de N1. Bien sûr, la formation des cadres est une obligation, quoi que ce soit fédérale. Donc on a des quotas aujourd'hui de points à avoir chaque saison. Donc par rapport à nous, notre niveau national, mais également sur des niveaux départementaux, régionaux, c'est impératif que des cadres soient formés. Donc le but, c'est de rentrer en formation pour essayer de progresser en tant qu'entraîneur de handball. Voilà, ça c'est le premier point. Et toujours dans le projet de territorialisation, pardon, avec notamment nos stages communs avec Belleville, on est aussi support avec le comité du Rhône pour être un petit peu support de ces formations de jeunes entraîneurs avec le comité du Rhône qui arrive avec différents entraîneurs pour un petit peu travailler localement, éviter de faire des kilomètres par Mons et par Vaux pour se former. Voilà, donc ça permet ces stages d'être vraiment le support avec des athlètes au service des entraîneurs en formation.
Hervé, on va parler public, on va parler supporters au niveau de la Calade, de Villefranche et du Pays Beaujolais. C'est vrai, quand on va dans les différentes salles ou les différents stades, eh ben, on voit qu'à Villefranche, on a vraiment une ville très sportive, que ce soit le handball, le basket, le volley, le football. Les gens reviennent voir ces clubs, c'est important. On a pu voir cette année notamment où on était présent avec mon ami Bruno, avec ma TV en Beaujolais, que la salle, eh ben, ça se remplissait petit à petit, c'est bien. Voilà, même si je dirais, sans minimiser tes propos Zizou, cette année a été une année un petit peu atypique par rapport à différentes manifestations, notamment mondiaux, championnats du monde de rugby. Voilà, il y a différentes occasions qui nous ont, entre guillemets, un petit peu gêné par rapport aux dates qui correspondaient à des dates exactes, exactement comme les nôtres, et on a un petit peu moins de public cette année que l'année précédente. Voilà, maintenant je suis relativement confiant, comme tu le dis, les supporters et le public caladois aiment, entre guillemets, le spectacle, aiment le jeu, aiment le sport, et il n'y a pas de raison que cette salle ne se remplisse pas de nouveau beaucoup plus que cette année. On l'a connu, hein, cette salle pleine, hein, Hervé, ensemble, hein, lors de cette première division, deuxième division, même en N1 bien sûr, du côté du Palais des Sports. Et ben moi je le souhaite que le handball de Villefranche Beaujolais mérite d'avoir autant de supporters, parce que il le mérite. C'est une belle équipe, c'est de l'encadrement, c'est des bons petits joueurs formés qui sont du cru de la région. Je pense qu'ils le méritent pour aller les encourager très fort. Oui, bien sûr. Après, voilà, aujourd'hui on a un complexe qui est magnifique, hein. Aujourd'hui il y a beaucoup de clubs de handball au niveau national qui, entre guillemets, aimeraient avoir la même salle que nous. Donc c'est une salle qui permet de travailler correctement, qui permet d'accueillir beaucoup de monde, qui permet, que ce soit sur des manifestations à côté du handball, hein, sur des soirées partenaires, sur des soirées spécifiques autour du club. Donc c'est vraiment cet axe de travail que l'on est en train de mettre en place, justement pour amener vraiment beaucoup plus d'engouement autour encore de notre sport, pour permettre justement d'avoir beaucoup plus de monde encore dans cette salle. Voilà, on remercie le handball Villefranche Beaujolais avec son président Hervé Carnaïs, qui nous a donné les plus belles et les meilleures infos de cette saison qui vient de se terminer, et également les infos de la nouvelle saison. Merci Hervé. Merci Zizou. C'était le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche, et avec le nouveau SUV Peugeot 2008 à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche.